Thank you.
Ézéchiel chapitre 14, le 12e verset à la fin. The book of the prophet Ezekiel. Ezekiel chapter 14, from verse 12 to the end. The book of Ezekiel. Ezekiel chapter 14, from verse 12 to the end. Owe yewegan Ezekiel itome. Ota eton vienne. Besson afo eton viawe. Doide vivonu. Seigneur Dieu, c'est toi la parole dès le commencement. Et c'est la parole qui est Dieu. La parole est avec toi, Dieu. La parole n'est pas différente de toi. Et toi non plus, tu ne diffères de la parole. On dit que c'est toi-même. Nous t'avons reçu ainsi. Et nous sommes accrochés à la parole. Nous sommes encore venus ce matin pour nous examiner à travers elle. Père, au nom de Jésus, fais-nous la comprendre. Éclaire-nous depuis les cieux. Afin que nous comprenions le chemin embrassé. Au nom de Jésus le Sauveur. Pourquoi sommes-nous rassemblés autour de la parole de Dieu? Pourquoi toi-même tu viens à cette assemblée? Quel est donc le but, ton motif, ton objectif? Est-ce que c'est pour la pratique que l'Éternel a dit que c'est donc l'objectif de cette assemblée? Est-ce pour cela que toi, tu la consacres ou bien pour d'autres pratiques? Comment est-ce que toi tu connais la parole de Dieu? Vois-tu la parole de Dieu comme l'œil de Dieu sous ce soleil? Que les regards de Dieu sont sur ce soleil. Et que Dieu est en train de surveiller. Et les regards de l'Éternel surveillent ce monde. Béni soit celui qui reconnaît la parole de Dieu telle, parce que ils ne perdront pas leur récompense. Et maudit soit l'homme qui ne la comprend pas ainsi, parce qu'il sera séduit par le diable. Le diable va l'acheter, malgré qu'il est un fréquentateur d'église. Si c'est venu à l'église, il ne va jamais manquer. Mais il sera un acheté du diable. Un acheté des mauvais esprits. C'est pourquoi, dans l'écoute et dans la lecture, que chaque personne donc voit Dieu. Dans l'écoute, dans la lecture, vois Dieu. Et tu verras que le Seigneur se manifestera à toi. Il t'ouvrira devant toi. Il va ôter le voile et tu le verras, tu le connaîtras. Parce que ton écoute et ta lecture, tu as vu à travers ces choses que c'est lui. Que lui-tu? Qu'entends-tu? Il s'appelle Dieu. Il s'appelle amour. Il s'appelle miséricorde. Il s'appelle vie.
Et l'ensemble de toutes ces choses dit Jésus. Répétez. Hey. Jésus. Jésus. Agnoué. Le connais-tu? Mouanyoué. Il est amour. Leblanoué. Il est miséricorde. Ogbewe. Il est vie. Fonson kouboussoué. Et il est en même temps résurrection. Dieu veut que nous, les habitants de la terre, puissent le voir. Nous tous qu'il a envoyés sur la terre, il désire à ce que nous le voyons. Mais voilà que nous tous, nous n'aimons pas le voir. C'est pour cela que le chemin qu'il est en train d'indiquer à ceux qui le recherchent pour qu'ils puissent le trouver, ce chemin est difficile à pratiquer pour plusieurs. C'est pourquoi bon nombre de personnes, ils sont assis dans Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et le reste, on ne restera pas sans faire quelque chose sur la terre. Fais quand même quelque chose, jouer à la comédie. Viens. Si dans ton siège ce matin, tu es là pour jouer la comédie, il fallait mieux pour toi de rester chez toi. Cela va être plus avantageux. La comédie. L'adoration de la comédie. Cessez. Dieu n'est pas de la comédie. Et la vie de l'homme n'est pas une comédie. C'est un fondement, une fondation de Dieu. Et c'est dans un saint dessein de Dieu qu'il a fondé l'homme. Et il faut donc à l'homme de suivre ce dessein-là. Et pour que l'homme puisse suivre un saint dessein, si l'homme doit suivre un saint dessein, rien de ce qui va rester dans ce monde ne sera mauvais. Regardez la vie de chaque personne sera rien que de bonnes choses. Parce qu'il est dans le bon plan. Mes frères et sœurs, es-tu venu ce matin pour rester dans le bon plan ou bien un autre, rester dans un autre plan que tu t'es choisi? Tito, oui, oui. Le saint des saints. Oui, oui. Connaissez-vous un saint des saints? Bon, ce n'est pas simplement de nature bonne. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Il est saint. Oui, oui, oui. Il est saint. Et l'homme est né pour vivre dans le saint des saints de Dieu. Celui qui vit dans le saint des saints doit avoir une vie saine. Mais celui qui se retire du saint des saints ne peut avoir une vie saine. Nous, que Dieu a rassemblés ici, petits et âgés que nous sommes, retournons dans le sein des saints de Dieu. Afin que nous quittions donc la comédie. Que l'homme quitte la comédie. Et que la femme aussi quitte la comédie. Que les jeunes gens et les jeunes filles quittent donc la comédie. Époux, quittez la comédie. Connaissez-vous bien la comédie? C'est qu'on se sent, on est conscient que ce qu'on est en train de faire n'a rien de bon. C'est sans succès.
quelque chose qui n'est pas avantageux. Mais je suis en train quand même de faire quelque chose. On ne peut rester tranquille. Mais il faut quand même jouer à quelque chose. On a quand même fait quelque chose. Viens. Tu vas quand même faire quelque chose. Ce n'est pas que tu vas recevoir la vie. Ce n'est pas que tu vas entrer dans la vérité de Dieu. Ce n'est pas que tu vas toucher, saisir Dieu et dire vraiment je l'ai saisi. Nous allons le saisir. Il nous a appelé pour que nous puissions le saisir. Il ne nous a pas appelé pour que nous voyions de loin l'ombre. Nous ne sommes pas venus regarder l'ombre. Non. Ne sommes pas venus pour regarder les écrans parce que ce qu'on regarde à l'écran, on ne peut pas le toucher. Non, on ne peut pas. Tu vas regarder, cela va passer, l'image va passer. Quelle que soit la manière dont cela est agréable, tu ne peux pas toucher. Combien sont ceux-là qui regardent uniquement la parole de Dieu et qui voient que la parole de Dieu est bonne, mais qu'elle ne reste pas auprès d'eux? Pour eux, c'est comme de l'écran. Que Jésus combatte pour ceux-là ce matin. Parce que c'est quelque chose qui doit rester auprès de nous. La parole de Dieu doit rester auprès de toi. Elle doit rester auprès de moi. Je ne vais pas la regarder comme une image qui va passer. Elle n'est pas venue pour repartir. Cela dépend de la manière dont tu la regardes. Et ça dépend de la manière dont tu l'entends. Et tu l'as saisie, tu l'as mise assise. Abraham a saisi Dieu, lui a donné une place avant qu'il ne prenne place à côté de lui. Parce que Dieu a agi comme quelqu'un qui était pressé, qui n'a même pas le temps de s'arrêter auprès de lui. Mais il a supplié, a dit, mais pardonnez. Il a insisté, a dit, pardonnez. Permettez et restez à l'ombre de votre serviteur. Prenez de l'eau, lavez vos pieds et dépouillez-vous de la poussière. Mais j'ai vu que vous allez loin. Mais permettez et restez auprès à l'homme de votre serviteur. Laisse-nous. Non, on ne peut pas. Mais le soleil est vraiment ardent. Ce soleil si ardent. Viens. Est-ce que la parole de Dieu peut déjà voir que tu la reçois ainsi? Que tu lui as donné une place? Que tu l'as saisi, tu lui as donné un siège? Celui qui arrive à la saisir et la mettre assise, c'est auprès de ceux-là qu'elle prend siège. Elle la saisisse. Dieu se laisse toucher par ces gens de personnes. Si tu veux qu'en ton temps que le Seigneur puisse se laisser saisir par toi, alors reconnais donc l'œuvre que tu as à faire. Ta main pourra le toucher. Si tu te lèves pour cela, et si tu ne te lèves pas pour cela, cela ne sera pas faisable. Cela semblera à quelqu'un qui est en train de regarder une image qui est passée. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas vu comme quelqu'un qui le reçoit. C'est ce que Jésus a attesté. Je suis à la porte en train de frapper. Je suis à la porte en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix,
entend ma voix derrière sa porte et qui m'ouvre la porte, j'entrerai dans sa chambre. Et le Père et moi, nous allons faire notre demeure auprès de lui. Alléluia. 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 Nous avons un temps où le Père et le Fils doivent faire leur demeure auprès de nous. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui où tu entends la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que le Seigneur fera de toi sa demeure. Et lorsqu'il fait de toi sa demeure, il restera chez toi. Et dans tout ce qui arrivera, dans n'importe quel moment, dans tout ce qui va arriver, il ne bougera jamais. Il ne se déplacera pas à la vue de quel que soit ce qui arrivera. Notre Seigneur n'est pas surpris devant une situation. Il ne dit pas « Oh, ma tête !» Voilà. Ayez merci. Notre Dieu ne dit pas « Oh, ma tête !» Mais il dit « Oh, notre tête !» Oh, notre tête ! Nous les hommes, nous disons d'habitude « Oh, ma tête !» Mais Dieu, il connaît le nombre des têtes qui lui appartient. Il connaît le nombre des têtes qui lui appartient. Et il dit, oh, nos têtes. Ma tête, ceux qui sont ma tête sont ici. C'est pourquoi je me tiendrai devant eux afin de conjurer, de renvoyer le mauvais sort qui arrive. Je vais repousser loin de ce mauvais sort. Et si je ne me tiens pas ici, ils seront atteints par ce malheur. Comment rester pour que le Seigneur puisse dire, si je ne me tiens pas ici, ce malheur va arriver, raison pour laquelle je vais me tenir près de lui. Alors lève-toi pour cette cause cette année-ci. Je me tiendrai près de lui afin qu'il puisse avoir la victoire. Je tiendrai auprès de lui de peur qu'il ne soit vaincu. Je me tiendrai auprès de lui pour que le malheur qui veut arriver, pour qu'il puisse le voir de ses yeux, l'entendre de ses oreilles, et ne soit atteint. Alors pour cela, je me tiendrai auprès de lui. Et nous a montré les types des hommes auprès desquels il va rester. Et nous a également parlé des gens que nous devons ressembler pour vivre cette expérience aussi. Alors il y a des gens que tu dois ressembler. Il y a également des gens que je dois ressembler. Et le Fils, pour que le Fils puisse faire à soi le Père. Parce que si le Fils n'existe pas, je ne peux être reconnu par le Père. C'est grâce au Fils qu'on nous reconnaît. Parce qu'il est véritable Fils. Sous ce forme, ce type de corps que nous avons. Même si nous avons une âme différente, comprends bien. Il a partagé le même corps, la même chair avec nous. Et il reconnaît la faiblesse qui s'y trouve. Il sait les fatigues qu'il y a. Et il connaît également les chutes qui s'y trouvent. Et il sait combien de fois ce corps a fait. Et si jamais tu n'as souffert d'une maladie, comment pourrais-tu aller au secours de quelqu'un qui souffre de cette maladie? Et si tu n'as jamais pris un médicament, pourras-tu le conseiller à quelqu'un? C'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre un médicament qui pourra le conseiller à un autre. Et ce que quelqu'un sait faire, il apprend à un autre. Ce que Jésus s'est fait, c'est ce qu'il nous a présenté.
Il a présenté cela à hommes ou femmes que nous sommes. Mais la comédie ne nous donne pas le temps de considérer cela. Oh, Malé. L'Éternel est en train de te plaindre. Et il veut que tu sois grand. Et toi-même veux-tu, désires-tu vivement cela? Dieu veut que vous soyez donc grand. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il est en train, c'est l'effort là qu'il est en train de fournir. Et quand on est en train de se gêner pour quelque chose, pour quelqu'un, alors la personne même doit participer, il doit soutenir cela. Est-ce un mensonge? Quand on se gêne pour toi, toi-même, ne vas-tu pas sentir le désir de la chose? Sentir, non. Tu dois être participant actif et non participant passif. La passivité, nous devions quitter la passivité, mes amis. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, quittons la passivité. Vous êtes d'accord? Oui. On doit cesser d'être passif. Et ma Yémesia. Et Yémesia. Et l'autre dans ta main. Ceci est important. Dominido. Que nous l'ayons. Afin que l'Éternel Dieu soit content. Nous aussi, quand on a de ce que la chose pour laquelle je me gêne pour ces enfants, eux aussi sont en train de participer et ils sont en train de courir pour cela. Ils sont en train de courir pour cela derrière moi. Ce n'est pas que je me gêne pour eux, mais eux se consacrent à autre chose comme si la chose ne les concerne pas. Comme s'ils ne savent pas ce qui leur appartient en mon sein, auprès de moi. Toi, reconnais-tu ce qui est ta propriété? Papa. Papa. Maman. Maman. Mais oh. Vous, frères et sœurs, est-ce que vous reconnaissez ce qui est votre propriété chez Jésus? Ce qui vous appartient auprès de Jésus, de Dieu. Êtes-vous levé pour pouvoir le saisir? Il y a certaines villes, quand Jésus y est attalé, ce qu'ils ont demandé, c'est que permets-nous de te toucher, cela nous est suffisant. Permets-nous de te toucher. Nous avons déjà entendu la parole de Dieu. Et nous savons, nous reconnaissons que c'est la parole de Dieu. Et nous savons qu'il y a une force qui s'y trouve. Permets-nous de te toucher. Et Jésus a dit, je me laisse, touchez-moi. Venez me toucher. Et eux tous l'ont touché. Et ils ont été guéris. Ils ont eu la grâce. Et les mauvais esprits qui les malmenaient, qui les maltraitaient, les ont laissés et sont partis. Là où on touche le Seigneur, le démon s'enfuit. Mais là où on ne touche pas le Seigneur, les mauvais esprits arrivent à prendre siège là. Et ils prennent siège et là, ils couvrent leur couvée. Combien de mauvais esprits as-tu? Et qui couvre sa couvée dans ta vie? Qui atteste que tu n'es pas venu pour toucher Jésus? Que tu n'es pas venu pour faire asseoir Dieu à côté de toi? Pour toi, à côté de toi. Ce n'est pas pour une autre personne, mais pour toi-même. Pour le salut, ton salut et pour ta vie. Pour ta paix.
Pourquoi tu sois quelqu'un au sujet duquel les anges se réjouissent? Lorsque nous venons nous asseoir, chaque âme doit se demander la place que j'ai prise ici, le siège dans lequel je suis, combien d'anges sont dans le ciel et qui se réjouissent en ma faveur. Combien de joie y a-t-il dans le ciel en ma faveur? Il faut que je devienne un sujet de joie devant le Père, devant le Père Dieu. Moi, cette femme, je dois être un sujet de joie. Moi, ce jeune homme, je dois être un sujet de joie. Moi, ce vieillard, je dois être un sujet de joie. Chacun doit avoir ceci. Et cela sera que tu as donné une place à Dieu. Tu as établi Dieu. Tu lui as donné une place. Et tu lui as demandé d'être ici. Tu lui as dit: acceptez-lui que tu auras peur. Qu'il n'y a plus personne sur qui tu pourras t'appuyer. Qu'il est le seul sur qui tu pourras t'appuyer. Qu'il n'aille nulle part. Et qu'il reste ici avec toi. Juste qu'à ton dernier jour. Ton dernier jour, le jour où tu prendras bagage et quitter la terre, qu'il demeure toujours ici avec toi. Nous sommes des gens qui prennent leurs bagages. Nous prenons nos bagages, nous faisons nos bagages. Nous faisons les bagages, nous les hommes. Et nous sommes des pèlerins. Tantôt ici et tantôt là-bas. C'est comme ça, nous bougeons jusqu'à la dernière heure. Et quand la dernière heure sonne, l'ensemble de tout ce que tu es venu faire, ces choses-là vont se présenter. Et toi et eux se présenteront devant le Seigneur. Et ces œuvres commenceront par rendre témoignage. Permettons à ce que ça soit uniquement la foi qui se constituera un bagage que nous allons emporter jusque devant le Seigneur. Cela est vraiment bénéfique. Ce compte est vraiment favorable à rendre. Mais le compte de la comédie n'est pas favorable à rendre. Si. Écoute. De ton temps, sois parmi les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu. Écoute ce que dit le Seigneur. Celui à qui appartient le monde entier. Il parle. Et dit: fils de l'homme. Si. Écoute. Si une nation pêche contre moi, s'il pêche contre moi, Dieu, et moi, je considère sa désobéissance, ne pas me considérer pour agir sur la terre. Si je lui compte cela et que je me lève et que je tends ma main sur cette nation et que je brise pour lui le bâton de pain, si je lui envoie la famine et si j'envoie l'exterminateur. L'extermination. Si j'envoie l'extermination, pour que les hommes et les bêtes soient exterminés,
Bon, et kawati. Eh? Qu'il y a eu? Béton, mais attends, il est. C'est trois types de personnes. Il est dans Noah. Noé. Daniel. Daniel. Ati Job. Et Job. Donc Dieu a-t-il ses regards sur l'homme, oui ou non? Mais quoi, mais voyez ces gens. Confiez-vous, nous, oui. Et considère leur origine. Et regarde en ce temps où Dieu est en train de rappeler leur histoire. Et qu'il est en train de citer leur nom. Et il s'en souvient pour le bien. Il s'est souvenu de leur nom pour le bien. Ce n'est pas pour le mauvais. Donc si nous restons devant Dieu, nos noms vont subsister. Nos noms vont subsister. Ton nom subsiste. Pour un souvenir. Pour que Dieu puisse s'en souvenir. Il s'est souvenu de Noé. L'homme de quelle génération? Mais Titan. Les premiers. Mais Titan, les premières générations. Où Dieu est en train de parler par ce nom. À nous. Hein? Nous, les hommes parvenus en cette génération. Donc Dieu connaît chaque personne avec sa conduite devant lui. Sa conduite. Prions. Mes frères et sœurs, soyons remplis de prières pour que nos conduites soient agréables à l'Éternel. Et pour qu'il puisse se souvenir de nous tel qu'il s'est souvenu de ces trois hommes. Ils ont passé des moments difficiles. Ils ont passé les moments des gens de mauvaise vie, des méchants. Ils ont vécu l'époque de la perversité du monde où la perversité gouvernait. C'est le temps qu'ils avaient passé. La Bible déclare que les gens du temps de Noé étaient des hommes de haute taille, des géants. Haute taille très élégant. C'est un pas de n'importe, c'est un pas de simple haute taille. Haute taille. Mais haute taille, frère, frère, il y a des gabos trinité, mais il y a des gabos, gangante, mais bon, wankou, beto, guian, les kerewes. Ils étaient. Ils étaient là. Et à cause de leur taille, ils avaient oublié Dieu. Ils étaient emportés. Jusqu'aujourd'hui, si le jeune homme, si la jeune fille ne prennent garde, la jeunesse emporte. La jeunesse emporte. La vigueur, quand on a la vigueur de l'aurore, cela commande à faire de n'importe quoi. Priez pour que la vigueur de l'aurore ne vous emporte pas. La vigueur de l'aurore. Et oublions la vigueur si on a de l'argent. Commence par devenir riche. On a la vigueur de l'argent. Ok, on a la vigueur de l'argent. L'argent fleurit correctement. Ça coule bien. Quand on a ça aussi, ça soulève. Cela importe. Hein? Ça va vous conduit à poser des pas vraiment irréfléchis, vraiment bidon, vide. En quoi vous verrez que ça a de place? Oh, c'est du néant. Ça vous enflamme. La vigueur de l'argent enflamme les riches. Vous comprenez? Où est son bord? C'est pourquoi le livre de l'Ecclésiaste a dit ne me donne pas trop de richesses au point où je commence par dire mais qui est Dieu?
Qui est donc Dieu? Qu'est-ce que j'ai voulu ordonner et que je sois incapable de le faire? Si je demande qu'on m'amène telle de personne, on me l'amènera. Si je demande qu'on m'amène une main d'homme, je vais contempler cela, on me l'amènera. Si je me présente devant un propriétaire, je lui dis, je désire tellement avoir ta maison, je lui donne de l'argent, je le fais sortir de sa maison, je prends la possession. Et s'il ne veut pas me le céder à l'amiable, j'ai aussi ma force de frappe pour pouvoir le déguerpir de ce lieu, m'emparer de sa maison. J'ai les pieds à terre et les bras longs. Oui, mes bras sont vraiment longs et mes pieds sont à terre. Voilà. Je ne peux pas ordonner quelque chose et entendre encore de bruit derrière. Quel est ce chef qui est au pouvoir qui ne me connaît pas? Et qui sera établi chef sans mon soutien? L'église que je fréquente, c'est moi qui est le bailleur du fond, du prédicateur. Et si tu le vois rouler des grosses véhicules, c'est grâce à moi. Si tu le vois dans ce qu'il porte, ses habits élégants qu'il porte, c'est grâce à moi. Comment? Mais pour dire, je suis le Dieu de l'église. Je suis le Dieu de l'église. Ça y est. Voyez-vous les choses qui emportent? Tout ce qu'on a dans une vigueur quelconque, si on ne sait pas faire cela, emporte. Tout ce qu'on a dans la fraîcheur ou dans la nouveauté, cela emporte, la vigueur de la chose emporte. Si tu ne prends pas garde, si la souffrance est dans sa vigueur sur toi, elle va t'emporter. Elle emporte. Jusqu'à ce que tu voles, en train de voler pour manger, tu ne le sauras même pas. Tout ce qu'on a dans une vigueur quelconque, si on ne sait pas faire, on agit comme celui qui a la tête et le cœur déréglé. Et on ne reconnaît plus les yeux de l'Éternel qui est en train de surveiller le monde entier, qui est en train de rôder, qui est en train de regarder chacun. Et la parole de Dieu n'est plus considérée. La parole de Dieu n'est plus considérée aux yeux des enfants. Revenons à l'Éternel. Afin de regarder, de voir ceux-là qui nous indiquent ce matin. Et nous indique Noé. Nous avons vu son époque. Ce que le péché a fait. Ce que la vigueur des hommes les a poussés à faire au point où Dieu s'est irrité contre eux. Dieu s'est irrité et a dit, oh, c'est ainsi, c'est là leur méchanceté. Mais quelles sont donc ces actions qu'ils sont en train de faire? Au lieu de rester avec moi pour que nous puissions combattre le diable et le vaincre, voilà qu'ils sont en train de supporter le diable de leur côté. Pourquoi vont-ils agir ainsi?
Cela ne serait pas possible. Je ne peux pas supporter cela. Et pour qu'il en soit ainsi, avec le déluge, je vais les exterminer. Et le déluge est venu. Est venu s'abattre sur les désobéissants. Ceux qui ne voient pas l'enseignement de Dieu les ramener de leur mauvaise voie et sentir les reproches que l'enseignement de Dieu adresse à leur égard, c'est le déluge qui les a ravagés. Mais Noé, il a été dit que Noé n'était pas à leur image. Il n'était pas à leur ressemblance. Ses enfants non plus. Non. Sa femme non plus. Lala. Non. Les femmes de ses fils n'étaient pas à l'image de ses habitants-là. Ils étaient différents. Ils respectaient Dieu, ils avaient la crainte de Dieu. Et ils tremblaient devant Dieu. C'est pour cela qu'ils ne se sont pas conformés aux pratiques des habitants de leur temps. Et seule la maison de Noé était sauvée du milieu de cette multitude. Une seule maison est sauvée. Et nous voici en notre temps. Serions-nous sauvés? Nous qui avons l'habitude de dire que le monde est perverti et c'est la perversité qui gouverne le monde, nous avons l'habitude de prononcer ces phrases. En termes clairs, c'est le terrain qui commande. En termes clairs, c'est le terrain qui fait quoi? Qui commande. Qui nous commande. Merci. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est le terrain qui te commande ou bien Dieu? Est-ce Jésus qui te commande à présent? Qui est donc celui qui te commande? Ou que tu es en train d'exécuter? Bonani Jésus. Permets à ce que ce soit Jésus. Et il verra que tu es à l'image de Noé. Daniel. Il a parlé ensuite de Daniel. 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 Et tu as tout Daniel ici quand on vit. Et pourquoi le nom de Daniel a été mentionné ici? C'est le milieu, le lieu où il était resté, mais pourtant était demeuré enfant de Dieu. À Hollou non c'est vaudou. Le roi était un idolâtre. Un idolâtre. Et qui avait fait son idole. Et la nation tout entière adorait sur cette idole-là parce que d'habitude, si le chef d'une nation adore et adhère de quelque chose, la nation tout entière doit supporter cela et adorer cela. Parce qu'on cherche la faveur du roi, du chef. Et on désire qu'il nous voit à travers ou auprès des choses qu'il a l'habitude de fréquenter. Pour que s'il arrivait qu'on a besoin, il arrivait un moment où on a besoin de son soutien, qu'on puisse voir sa main étendue. Mais ce sont des cons. Plusieurs étaient à cela. Amon. Mais Daniel. Daniel a dit non. Il a dit non. Et c'est, il y avait également de ses compagnons qui ont également dit non. Amon, mais de les magbe. Mais certains n'avaient pas dit non. Parce qu'ils ont l'habitude de dire, mais quand tu es tombé dans le lien, tu ne peux pas refuser qu'on te traîne. Une fois que tu es déjà dans la corde, tu ne peux pas dire que je ne veux pas que vous me traîniez. Mais nous sommes déjà dans la corde.
Daniel était quand même beau, quoi, le moyen m'a abandonné. Mais Daniel était dans la corde, mais a dit non, je ne me laisserai pas trimballer. Et maintenant, ton mipé. Je ne me laisserai pas trimballer. On voit quand les mongbe nous nombo. Je suis véritablement en esclavage. Il y en a deux chez Oison. À cause de mon péché. À cause du péché de ma nation. Il était dans les liens. Il suppliait Dieu. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, pardonne. Aie pitié. Sauve-nous. Je suis déjà dans les liens saisis. Il n'y a point d'issue. Mais toi, tu demeures toujours mon issue. Je sais que tu es un père. Et tu auras compassion de moi. Aie pitié. Aie pitié d'Israël. C'est à cause de notre désobéissance. Nous avons été têtus. Après avoir mangé à satiété. Nous t'avons oublié. Et ce que nous ne devions pas faire, les amusements auxquels nous ne devions pas nous livrer, les lieux où nous ne devons pas fréquenter, nous avons commencé par faire toutes ces choses. Nous t'avons offensé. Tu as raison, c'est avec raison que tu nous as laissés à la servitude. Tu as pleinement raison. Ta justice demeure, tu as raison, Seigneur. Mais pardon. Avec ta justice, regarde notre état actuel. Nous sommes ta gloire. Et c'est ton nom qui est sur nous. Regarde ton nom. Et si nous sommes dans les liens, c'est que ton nom est dans les liens. Sauve-nous. Et détourne tes regards de nos péchés. Pardonne-nous. Et il était en train de supplier malgré qu'il était dans ses cordes. Et si c'était pour toi, allais-tu permettre? Vas-tu pas raconter des hérésies? Ne serais-tu pas en train de t'irriter là dans le chagrin? N'auras-tu pas des visages abattus? Et des airs, tu vas prendre des airs tristes. Au point où les mauvaises pensées vont commencer par monter de ton cœur. Et toi-même, tu serais en train de t'irriter contre Dieu. Il ne s'est pas irrité contre Dieu. Et il n'a pas tenu compte de la situation qu'il traversait, étant dans les liens pour s'irriter contre Dieu. Combien sont ceux qui ont les comportements, la conduite de Daniel? Ou dans leurs difficultés? Ils reconnaissent ce qui a été à la base des difficultés qu'ils traversent. Où ils ne condamnent pas Dieu. Ils ne prononcent pas, ils n'ont pas les mêmes propos que les païens. Et les propos des païens n'ont aucun effet dans leur vie. Mais la moquerie des païens ne leur dit rien. Mais que le Seigneur puisse enlever, essuyer cette opprobre. Et qu'il puisse porter afin que la gloire soit donnée à son nom. C'est ce qu'ils sont en train de rechercher constamment devant le Seigneur. Et ils reconnaissent leur faute là où ils ont fauté. C'est pas nombreux. Tu verras le péché encore s'irriter contre Dieu. Et dit, mais qu'il est Dieu, lui il est Dieu. Il est Dieu. Et que lui, il est une chair sans force. Viens. Qui a placé la faiblesse dans la chair? Où est celui qui a placé la faiblesse dans la chair? Est-ce Dieu qui a placé la faiblesse dans nos chairs? Non. Amen. Doyego.
Retiens bien. C'est l'homme même qui a placé la faiblesse en lui-même. Dieu a empêché pour que la faiblesse ne entre en nous. C'est à cause du fruit qu'on a mangé. Comprenez-vous? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des fruits, quand tu en prends, tu meurs. Il y a ces fruits existent. Ils sont vraiment beaux à voir. J'en ai vu deux. J'ai voulu même cueillir. Et ils m'ont arrêté. J'ai dit, mais que veux-tu faire? Je vais aller cueillir ce beau fruit-là. Et si jamais tu en manges, tu meurs sur le champ. Nous avons laissé cela pour pouvoir montrer les choses à nos enfants. C'est pour cela que cela a été conservé. Cela ne meurt jamais. C'est un arbre qui ne meurt jamais. Que ce soit dans la sécheresse ou au temps de la pluie, il se porte bien. Mais son fruit est mortel. Je dis, oh, c'est donc ça. Mais la Bible n'a pas menti. Dieu a dit, si tu en manges, tu mourras. Et nous sommes arrivés au lieu, là où nous a renvoyés. Et il y a également cela, c'est interdit, si jamais tu manges, tu en meurs. Si tu manges, tu en meurs. Et il y a des choses que l'homme peut consommer, mourir. Il y a des fruits mortels. Si jamais tu consommes, tu en meurs. Il y a également des fruits. Si jamais tu les consommes, alors tu seras malade toujours. De tout temps. Ta vie sera bouleversée. Et tu vas perdre ta santé. Donc, le Créateur du monde est plus grand que ces créatures. C'est lui qui maîtrise ce qu'il a créé. Et c'est ce qui est consommable pour l'homme. Et c'est ce qui est inconsommable. Et les choses que nous ne pouvons pas consommer existent. C'est une de ces choses que nous sommes allés faire et comme ça la faiblesse nous a atteint jusqu'à aujourd'hui. Donc la faiblesse de la chair, c'est parce que nous avons commis un acte, une action, raison pour laquelle cette faiblesse a commencé. Et la faiblesse de nos âmes, c'est les péchés que nous commettons qui amènent la faiblesse de nos âmes. Comment vas-tu faire? La parole de Dieu à laquelle s'est attachée ces gens, afin d'avoir la force, c'est à cette même parole que tu dois t'attacher pour être sauvé. Parce qu'ils sont restés demeurés dans ce corps faible. Noé. Son corps n'y avait-il pas de la faiblesse? Daniel, il et Daniel. Job. Et si nous allons expliquer leur vie, nous n'allons pas quitter ici. Nous allons donner des explications sans finir. Ils ont vécu à une époque très difficile. Ils ont vécu dans la non-réussite. On est homme, mais après on est devenu enfant. Cela signifie qu'on a été un homme considéré. Un grand. Quelqu'un de distingué. Des gens importants. Et un jour est venu. Et ce jour les a fait descendre de leur piédestal. Et Job, son cas, c'est qu'il avait rencontré la destruction totale. Il avait des enfants, mais était comme un dépossédé.
Il y avait des enfants qui se multipliaient. Kakabo, ogbe vivi bo vide no yoro de do. Yino do nduten. Eh, yino do novie hedewe. Mina du nte to egbe. Me so je we de fo nu novie le sin ko egbe we mina du nte. Yeno du nto yeno so le de. Ye ma no, ye ma hona yeno so le. E ma yin novie de ogbe do fo. Se do fo to ye me gba novie de to ten 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 we ye. Oh, yewena da egbe bo mi na du. E je so grand frère de mi na du te. Oh, petit frère le de mi na du te. Benjamin de mi na du te. Me le do me no so mi do ko da ho de to ye me ma wa nu fini ga ma wa nu. Job avait des enfants qui avaient une fraternité très solide au point s'invitaient les uns dans la maison de l'autre pour se donner des festins. C'était des enfants qui étaient vraiment collés les uns aux autres. C'est ce que je souhaite pour tous les frères et sœurs qui sont dans cette église. Et c'est ce que je demande, que nous soyons des frères qui menons une vie de fraternité solide au nom de Jésus. C'est ce qui est bon. Et c'est ce qui est avantageux. Les enfants de Job avaient cela. Et si déjà on vit une vie pareille, qu'est-ce qu'il faut encore? De quoi va-t-on encore s'inquiéter? Et les enfants, lorsqu'ils décident de manger, se souviennent de leurs parents, ils viennent de poser la part des parents. Ce n'est pas des enfants qui mangent et oublient les parents. Dieu a vraiment fait accorder la grâce à Job, oui ou non? Sa maison était affermée. Et un jour, un seul jour, un mauvais jour. Amen. Que Jésus combatte ces mauvais jours pour vous. Un jour, un mauvais jour, la destruction a visité sa maison. Ses enfants étaient en train de manger. Où le mur s'est écroulé sur eux. Et en un jour, il a perdu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait comme bien. Toute la richesse était partie. Le corps aussi a commencé par pourrir. En tout et pour tout, il ne faisait qu'invoquer Dieu. Il ne faisait qu'invoquer son Dieu. Il parlait avec Dieu. Il parlait toujours avec Dieu. L'amertume augmentait. Et son entretien aussi avec Dieu augmentait toujours. Sa prière était toujours devant Dieu. Il avait écrit quelque chose dans son cœur. Je ne renierai jamais mon Dieu avant de quitter cette terre. Je ne le renierai jamais. De tout ce que cela me prendra, je suis prêt. Il était prêt. Mais jamais je ne vais renier mon Dieu. Je ne vais jamais renier mon Dieu. De tout ce que j'ai rencontré, Dieu l'a regardé. Et a dit, voilà un enfant digne. Un enfant digne. Venez. Vous et moi, avions-nous atteint ce niveau? Il suffit d'avoir la main vente d'un jour et ça y est, bon, Dieu n'a rien fait aujourd'hui. Hein? Dieu n'a rien fait. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment? Pourquoi a-t-il agi ainsi envers moi? Mais je donne la dîme. Je donne mes offrandes volontaires. Mais pour cette construction qui est en cours, j'ai donné 10 camions de sable.
Mais que vais-je encore lui faire pour qu'il puisse sache qu'il doit être à mon soin? Et ça y est. L'incrédulité a commencé. Mais il y a un homme, un monsieur derrière quelque part. Il invoque le même nom de Dieu que toi. S'il arrive à te faire quelque chose, tu vas vendre au point où tu n'auras même pas le temps pour récupérer l'argent. Simplement de l'argent. Il va conjurer le mauvais sort. Mais tu vas compter l'argent au point où tu seras fatigué. De l'argent. Mais l'argent va te répondre. Et toi-même, tu vas répondre présent à l'argent. Ça y est, la marche a commencé. On a déjà laissé l'enseignement de Dieu. On a renié Jésus. À cause de la mévente d'un seul jour. Job n'a pas renié Dieu. Il a dit, qu'advienne ce que pourra, moi je suis là pour mon Dieu. Sa femme est venue le voir et lui a dit, mais toi, tu es là, tu es resté là sans mourir. Au lieu que tu meurs, afin que nous ayons la paix, le repos, tu es resté là sans mourir. Injurie Dieu et meurt, afin que nous ayons le repos. Injurie, il faut injurier Dieu, alors comme ça tu vas l'irriter et comme ça il va t'arracher son souffle. Et comme ça nous aurons la paix. Et tu vas quitter le monde pour que nous cessions de vivre le spectacle là, mais nous en avons marre. Insulte Dieu et meurt. Il dit, ô femme, injurier Dieu moi. Mais là où je m'en vais, il gouverne là-bas. C'est lui qui gouverne. Et je j'irai sous son autorité. Et si je me présente là-bas comme quelqu'un qui a injurié Dieu, comment va-t-il me recevoir? Qu'est-ce qui va être la suite de ma vie? Vois-tu que tu es vraiment folle? Et tu m'enseignes la folie. Je ne le ferai pas. Si je dois mourir, Ma bouche ne maudira jamais Dieu. Ma bouche ne dira rien de mauvais envers mon Dieu. Alléluia. 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 Toi, ta foi a-t-elle atteint ce niveau de la difficulté, la dureté de ce monde? Lesquelles entre ces duretés, lesquelles traverses-tu? Que tu ressembles à Job? Le Seigneur dit, même si sa colère est enflammée, en train de ravager, s'il trouve ces trois hommes, ces trois types d'hommes, Daniel. S'il trouve Daniel, s'il trouve Noé et Job, qu'il les sauveront. Quelle que soit la longueur de sa colère, qu'il les sauvera. De tout ce qui va arriver, même si sa colère déclare qu'il n'y aura point d'hommes, s'il trouvait ces trois hommes, ils seront sauvés. Et de leur salut, c'est leur justice qui les sauvera. Ils ne sauveront ni fils, ni femme. Madame. Notre père, il est serviteur de Dieu, il ne s'amuse pas avec son Dieu. Oui, c'est vrai. Et toi, madame, et toi? Toi, tu t'amuses avec de Dieu. Ton mari, celui de ton mari ne te sauvera pas. Et ce,
celle de ta femme qui milite derrière Dieu, la cause de Dieu, sa justice ne pourra te sauver. Vous, enfants, relisez ce passage. Dieu déclare que Daniel ne sauvera pas ses enfants. Ni Noé ses enfants. Non. Job, Job ses enfants. Mais dopo. Chaque personne portera la charge du bagage qu'il a fait. Tu vas porter ton bagage. Le mari ne portera pas le bagage de sa femme. Ni la femme portera le bagage de son mari. Les enfants ne porteront pas les bagages de leurs parents. Vraiment, mon enfant aime Dieu. Et si toi-même tu n'as pas l'amour de Dieu, alors ça fait tant pis pour toi. Tu marches avec celui qui a l'amour de Dieu, mais toi, en retour, toi, tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas en jouir de ce qu'il aura comme avantage, non. C'est pour lui seul. N'aviez-vous pas lu la parole? N'aviez-vous compris? C'est pour lui seul. Et c'est ce que quelqu'un a fait devant le Seigneur, il sera le seul responsable à jouir de ses bienfaits. Cela ne sauvera pas l'enfant. Cela ne peut pas. Vous n'avez pas compris? Ne te dis pas parce qu'un de tes parents milite pour le Seigneur et sert Dieu avec une hardiesse, raison pour laquelle Dieu va te recevoir dans le royaume des cieux. As-tu agi comme lui? Si tu agis comme lui, alors tu vas réussir. C'est l'exemple que Dieu nous a donné par rapport à Lot. Est-ce que Lot a pu sauver sa femme? Mais sa femme avait bien entrepris la marche du chalut avec lui. Et l'ange leur avait dit, eux tous, ne vous détournez pas en arrière. Mais avant que vous ne détourniez vos regards en arrière, il faut d'abord atteindre la montagne qui est devant vous. Une fois arrivé près de la montagne, et comme ça, vous pouvez détourner vos regards en arrière, regarder ce qui se passe. Allez et sauvez vos âmes, a dit la voix, a dit les anges. Et lorsqu'ils étaient partis, la femme, on nous a dit ce qu'elle n'a pas pu transporter de la maison, elle avait ces choses dans son cœur qui les rongeaient. Elle était en train d'analyser ce qu'elle avait perdu. Mais celui qui est venu dans ce monde, comprenne. On perd toujours quelque chose. Tu vas forcément perdre quelque chose pour que le Seigneur puisse te redonner cela ailleurs. Pour que le Seigneur puisse t'amener, t'apporter ce qui est meilleur que cela. On perd toujours. Tu dois perdre quelque chose nécessairement. Vivi nirando ton dona goué. Mais tu dois perdre. Vivi nirando ton. Allez d'être nirando, mais le gain du péché. Le gain du péché. Oui. Et dona goué. Et tu dois perdre l'avantage que tu gagnes dans le péché. N'avez-vous pas dit ce qu'a dit Paul? Il dit tout ce qui constituait pour lui des gains, qu'il est prêt désormais à les perdre. Afin de gagner le royaume de Dieu chez Jésus. Cela veut dire que dans ce monde, on perd toujours quelque chose. Tu dois être prêt.
se dit, était prêt à perdre ce qu'il devait perdre pour que Dieu soit à côté d'eux. Ils étaient prêts. Job était prêt. Daniel aussi. Noé aussi était prêt. L'autre aussi était prêt. Sinon qu'il allait regarder derrière comme sa femme l'avait fait. Mais il n'a pas regardé en arrière. A-t-il regardé en arrière? Lui et ses enfants avaient obéi à la voix du Seigneur. Ils sont parvenus à la montagne avant qu'ils ne retournent en arrière pour voir. Ils ont vu que maman n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il ne savait pas. Et il ne pouvait pas savoir. Parce que la voix qui les avait envoyés à la montagne ne leur a pas permis de savoir cela. La voix du salut dans laquelle tu te trouves maintenant s'appelle Jésus. S'appelle repentance. S'appelle l'amour de Dieu qui a tenu pour toi. Ne te permettra pas de te détourner en arrière pour regarder. Mais il te permet de regarder droit devant. Et que tu aies tes regards fixes vers le ciel. Celui qui vient de là-bas, ton ami sincère a dit qu'il revient. Et qu'à cause de toi, il reviendra. Il dit c'est pour les racheter qu'il viendra. Et s'il n'y en aurait pas des racheté ne retournerait pas. Mais parce que les rachetés existent. Alléluia. 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 Les rachetés sont vrais. Et ils existent. C'est pour cela qu'il reviendra certainement. Jésus-Christ reviendra certainement. Parce que ceux-là qui l'a racheté existent. C'est toi. C'est moi. Et c'est chacun de nous ce matin. Ce pour qui Jésus doit revenir. Et Jésus a dit, quel que soit ce qui va arriver, il nous demande de le regarder parce qu'il va venir dans tout ce qui va arriver. Noé, Daniel, Job ont fait de leur temps. Ils appartenaient à l'Éternel. Et l'Éternel était pour eux. Et toi? En ton temps, est-ce que cela a réussi? Es-tu en train d'agir pour que cela puisse connaître une réussite? Le Seigneur dit que sa colère va mettre à pas ces trois hommes. Et forçons-nous d'être parmi ces trois personnes. Ces trois personnes sera parmi ces trois types d'hommes. Job, Noé, Daniel. Et Daniel. Regarde leur comportement. Regarde la marche de leur foi. Comment ils n'ont pas tenu comme des obstacles de ce monde, mais ils ont fait fi de ces choses et ont suivi le Seigneur droit devant. Ils ont fait fuite de ces obstacles. C'est pour cela qu'ils ont dominé ces obstacles. Ce qui les amènera à devenir des incrédules, c'est ce qui a fait que leur foi a connu de la croissance. Est-ce que mal est plus terrible que le Dieu avec qui tu marches et avec toi? Il marche avec toi, mais il t'a laissé au point où t'a lié jusqu'à aller te jeter dans la fosse au lion. Si c'était toi, ne vas-tu pas dire que mais c'est fini? Dieu n'existe pas. Et si Dieu existait? Et qu'il pardonne en vérité,
Avec toutes ces supplications, est-ce qu'il n'est pas temps qu'il dépose son châtiment, sa punition, et qu'il me rapproche à lui? Et si effectivement il m'avait rapproché à lui, est-ce que de pareille situation allait arriver? Mais ils n'ont pas vu les choses ainsi. Daniel n'a pas vu les choses ainsi. Mais il a vu que Dieu veut révéler quelque chose à cette nation. Et reconnaîtront la gloire de l'Éternel. Et ils sauront que son Dieu est plus grand, redoutable que leurs idoles. Et alors, sorcellerie à laquelle se sont fiés, son Dieu est plus grand et dépasse largement leur sorcellerie. Mais il est resté tranquille. On l'a lié, on l'a jeté dans la fosse. Le roi éprouvait le désir d'aller le sauver, le délivrer, mais il n'a pas pu. Et les ennemis? On dit que... Le roi, quand il parle, son ordre est irrévocable. Et rien de tout ce qu'il disait, c'est pour trouver quelque chose pour accuser Daniel et l'enfermer. Ils l'ont fait. Mais le Seigneur aussi a agi. Le roi n'a pu trouver le sommeil. Il n'a pas pu dormir. Parce que lui, en tant que grand roi, son bien-aimé, son ami, a été plongé, accusé, condamné. Mais avec son titre de roi, il n'a pu le délivrer. Il est étonné. C'est pour la première fois qu'on a vu un roi éprouver le désir de délivrer quelqu'un qui n'a pas pu. Et quand il parle, on lui dit non, ce ne serait pas faisable. Il s'est levé tôt le matin seul à l'aurore et est parti, a pris direction vers la fosse et a commencé par appeler Daniel. Daniel, oh Daniel, oh, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu vivant t'a pu délivrer de ces lions? Oh, la vie. Parfois, on a quelqu'un qui peut sauver, mais on est laissé pour compte. On n'arrive pas à être sauvé. Je n'ai pas pu te sauver, mais est-ce que ton Dieu a pu te sauver? Et ce qu'il a entendu, il a entendu la voix de Daniel dire, mais roi, vis éternellement. Vis éternellement. Dieu, ton Dieu, mon Dieu, a vu mon cœur. Je n'ai pas convoité ou bien comploté le mal. Je n'ai fait que penser le bien. Mais quand je suis arrivé ici, je suis ensemble avec ces lions et nous sommes en train de jouer. Ils ne m'ont fait aucun tort. Le roi a sauté de joie et a dit d'accord, je viens. Et il est retourné vite et a allé chercher les gens et a dit envoyez une corde afin qu'on puisse faire sortir Daniel. On l'a fait sortir. Et Dieu est entré dans son cœur, l'a inspiré. Et a dit, mais ceux-là qui ont dit que c'est toi qui vas sauver là, alors qu'ils soient jetés pour qu'on puisse voir s'ils vont vivre le même sort que Daniel. Le roi a fait sortir Daniel. Sans qu'il soit trouvé sur son corps aucune trace, aucune blessure. Il se portait bien. Il a dit d'accord. Nous allons voir la suite. Ce que nous allons voir. Et ceux qui ont fait sortir l'édit là avec violence, qui commencent par aller dans la fosse, on va voir. Une fois près de la fosse, quand ils sont jetés, avant qu'ils n'atteignent les lions, alors les lions les accueillent, les dévorent, les mangent
Et au point où eux tous se sont jetés, aucun d'eux n'était sauvé. Et le roi a fait sortir et a dit, à partir de maintenant et pour toujours, le Dieu de Daniel est le seul Dieu qu'on doit servir nous tous. Et là où nous avons adoré les autres idoles, c'est fini. Et pour écrire, il faut mettre le D majuscule. C'est pas un dieu minuscule. Le dieu de Daniel, il faut l'écrire avec un dieu majuscule. Viens. Ta foi rendra témoignage de ta vie. Justice. De ta justice. Ta foi rendra témoignage de ta justice. Et ton nom sera souvenu pour Dieu. Et l'Éternel le fera sortir. Que tu sois resté ici ou non. Les Daniels sont partis. Job est parti. Sont-ils encore ici? Et Noé est aussi parti il y a longtemps. Mais sa parole est restée. Ou bien sa parole ne demeure-t-il pas dans la bouche de Dieu? Et avec ses paroles, Dieu enseigne. Et toi? Et chacun de nous? Dieu pourra-t-il nous voir ainsi? Et forçons-nous pour qu'il puisse nous trouver ainsi aujourd'hui. Et si la méchanceté se commet? Et le pain est rare, le pain n'existe plus. La peste arrive. Et l'épée entre dans la ville. C'est ce qu'engendre le péché. Pour cela, fuyons le péché dans cette église. Que les petits enfants fuient le péché. Et que les adultes aussi fuient le péché. Parce que cela amène la famine. Et cela fait que la nourriture n'existe plus comme avant. On mange, on laisse, il y a les restes des repas. Non, mais maintenant tout est sur mesure. Où tu prends ta portion, ça fait un lendemain, tu vas boire de l'eau, c'est fini. C'est à mesure, avec mesure chacun, avec une portion, une petite portion. Cela me rappelle un temps où le maïs a été appelé Nevakin. Et c'est le maïs des Coréens qui est envoyé dans notre pays. Et c'est du maïs d'une variété de couleur jaune. Très jaune foncé. De couleur jaune foncé. Et il faut s'aligner avant de s'en procurer. Et on nous envoie acheter du pétrole quelque part dans une maison. Un quart de litre. Qu'on va mettre dans la lampe. Et si vous allez acheter du pétrole, tu verras, la maman dit, c'est en tout cas une portion. Chaque enfant doit recevoir une portion de pâte, une petite quantité quand même. Est-ce que cela va rassasier un homme? C'est la portion d'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Moi, j'étais allé acheter du pétrole quand j'ai vu cette scène se présenter. Secondo, il y avait du riz qui est jeté dans le bas-fond. Et c'est au moment où je vous parlais, c'est ce riz qu'on va ramasser. Et lorsqu'on le prépare, cela dégage vraiment une odeur fétide, nauséabonde qui n'est pas. Non, il a ça une odeur fétide.
L'odeur là est fétide. D'accord? Bon, il dit d'aller. Non. Il y a un peu de temps. Et on va aller. Ah. On va aller. 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 C'est parce que j'ai vu ça une fois. J'ai vu ça. Donc, couvert. La famine. Et qu'elle entre dans la vie, ce n'est pas bien. Et c'est le péché qui engendre ça. Et si tu ressembles à ces trois types d'hommes devant Dieu, l'Éternel te sauvera. Alors, ces choses vont t'éviter. Et si tes enfants ajoutés à toi écoutent la voix de l'Éternel, si ta femme ajoutée à toi écoute la voix de l'Éternel, le Seigneur dit, je vous garderai, vous serez exceptionnel. Vous serez exceptionnel, votre cas sera différent. Nous sommes dans la ville ou dans le pays. Mais pour que notre sort soit différente de la part de l'Éternel, n'avons pas amené sur la terre un même mode de vie. Non. Ceux qui adorent Dieu auront leur part à part. Et ceux qui n'adorent pas Dieu auront également leur part. Avez-vous compris? Nous sommes venus sur la terre pour que chacun puisse voir ce qui est à lui. Il n'y a pas à faire de mélange, tel ton cas, tel mon cas, non. Nous n'avons pas une même vie à mener. Nous n'avons pas un même sort ou un même devenir de la part de l'Éternel. Chaque personne a sa part. Si tu ressembles à Daniel, ta part sera différente. Si tu ressembles à Job, ta part sera différente. Et si tu ressembles à Noé, ta portion également sera différente. Le Seigneur dit que je vais mettre à part ces gens-là. Tu seras sauvé. Je ne te laisserai pas dominer par ces malheurs. La peste viendra, mais tu ne seras pas atteint. La peste va traverser la ville, mais ne touchera pas ta maison. L'épée va parcourir la ville, mais ne viendra pas chez toi. Je prendrai de toute manière, et tu seras sauvé. Idem. Remplissons donc les conditions qu'il faut afin que le Seigneur puisse s'apprêter convenablement pour nous. Si tu veux, reçois. Si tu ne veux pas, tu peux déjà laisser. Parce que tu recevras selon ce que tu auras fait. Comprenons bien ce que dit la parole de Dieu. Lisons à partir du 21e verset. Nous pouvons. Léwe au clou, non. Jérusalem. Oh, mehiho, nous donnons ho, mehiho, he dabla, et nechele. Et donc, couvert. Au calme, jago. Et donc, visons-nous les attivions, nous les doigts y égo. Yéna wa midi. Mina mochi jode to yesi. Ati walo yé ton lè. Bon.
Et en Jésus-Christ, c'est nous qui regardons ce matin comme un reste. C'est toi qui est en train de regarder. C'est vous, la chorale, qui est en train de regarder. Chacun de vous qui êtes présenté ce matin vous regarde comme un reste. Et vous verrez que j'ai raison. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. La raison pour laquelle il a subi la mort de la croix, et si nous restons en croix en cela, on ira dans la condamnation. Tous comprendront cela. Vous le comprendrez. Et ceux-là, les réchappés, vous verrez cela à travers leur conduite. Et vous verrez qu'ils étaient d'un point d'accord avec moi, Dieu. Ils étaient dans la paix avec moi, Dieu. Ils m'écoutent. C'est pour cela qu'ils sont du reste que j'ai conservé. Je les ai conservés. Venons, agissons, afin que le Seigneur puisse nous conserver. Que nous soyons entre les restes qu'il a conservés. Les réchappés. Tous ceux-là qui se sont accrochés à Jésus-Christ seront les réchappés. Et leur conduite rendra témoignage. Leur conduite, leurs actions. Depuis que toi tu viens recevoir l'enseignement de Dieu, depuis que tu es en train de faire l'éloge de la parole de Dieu, qu'elle est bonne, quelle est donc ta conduite? Quelles sont tes actions? Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne sois pas celui qui rend témoignage à la parole de Dieu en vain, en l'air. Que la parole de Dieu est vraiment bonne. Est-ce qu'il suffit de dire que la parole de Dieu est bonne, la parole de Dieu est bonne pour que Dieu soit rassasié? Est-ce que Dieu se nourrit de cela? C'est de ta conduite qu'il a besoin. Les actions dont tu as commencé par faire preuve. Le Seigneur a dit ceux-là qu'il a conservés. On verra à travers leurs actions et leur conduite et un témoignage qu'ils sont saints. Ils sont saints. Ils ne sont plus souillés. Même s'ils étaient souillés avant, mais maintenant, par la parole de Dieu qui est bonne, ils sont devenus bons.
On verra cela, dit le Seigneur. Et on verra que il avait lu, Dieu a raison d'être d'accord avec certains et ne pas être d'accord avec d'autres. On verra bien. Vous avez lu le dernier verset avec moi. Qu'on verra que ce n'est pas sans raison. Aujourd'hui, on dit, mais on ne maîtrise pas ce que Dieu fait. Mais pourquoi Dieu va-t-il agir ainsi? Pourquoi a-t-il laissé? Pourquoi a-t-il permis cela? C'est aujourd'hui que nous disons ça. Ou bien n'avions-nous pas l'habitude de tenir ces langages? Mais voilà qu'il dit qu'il est en train de tout entendre. Qu'il entend tout ce que nous disons. Le fait de ne pas comprendre les choses telles que lui, Dieu les maîtrise. Le jour vient et le jour viendra où nous tous nous allons tout comprendre. Et tu verras que il n'a pas offensé. Dieu n'a pas offensé nous les hommes. Nous les hommes sommes de nature têtue et désobéissante. Et la désobéissance et la non-observance de ses préceptes est devenue un chauffeur qui nous guide, qui nous conduit. Est devenu le chauffeur de notre vie. Et l'arrogance s'empare. L'orgueil aussi s'ajoute. Et la manière dont nous ne devons pas rester devant le Seigneur, nous disons Seigneur, mais malgré cela, nous demeurons dans l'état là. Et ces choses qui ne devraient pas rester devant le Seigneur, on les apporte devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire? Voyez-vous ce qu'il a, il dit? J'ai quatre châtiments. Terrible. Un châtiment terrible. Un châtiment qui devient en même temps terrible. Ce n'est plus la guérison qui est miraculeuse. Ce n'est plus la paix qui devient miraculeuse. Mais un châtiment. Le châtiment de la colère de Dieu qui devient terrible sur les désobéissants. Sur ceux qui s'entêtent, qui se révoltent. Si nous pouvons déjà comprendre ces paroles, la paix va se multiplier. Et la gloire de l'Éternel va germer sur nous. Et nous serons ceux à qui il a fait preuve de sa raison. Et notre conduite rendra témoignage, attestera notre repentance. Et nos conduites, nos actions vont révéler la gloire de l'Éternel. Et nous serons des gens qui ont fait du bien, fondé du bien en Jésus-Christ. Tel que Noé l'a fait. Tel que Job l'a fait. Et Daniel aussi. Et l'Éternel les a pris comme un modèle par lequel il nous instruit. Que les choses tournent autrement dans le monde. Mais si on est fidèle, on reste fidèle à lui, Dieu ne laisse pas ceux-là qui lui appartient à ces événements de la vie. Le trouble vient frapper pour demander d'après l'homme, mais il ne délaisse pas ces gens au trouble. Qui ne te délaissera pas. Sache, reconnais ce que tu as en Jésus-Christ. Et sache que tu as fait pour que Dieu soit entièrement dans sa joie sur toi. Allons dans Colossiens. Chapitre 2.
Lisons à partir du 10e verset au 12e. Mikinto nous le po to goflame to wome. He basi o gan a shek pipa le koton. A holulu le koton. Bato u olome. Ou emi ni me he yi bo wena. E do wekbo na e he lo. E ma yi a log be toton we bayi. Yedo wekbo na me krisi ton we. E he ti to ye klon ak basada yi. Son men de gomen. To ye nyi didi e krisi men. Bon. Ye we sin li le. Menyi me he fon son koukou e ko. Poto e do he. Bon yi se. To houlon shikwe ye we ton men. Alléluia. Alléluia. Tu la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vois-tu ce que la parole nous dit? Se dépouiller. Hein? Se dépouiller. Il est clon. Clon d'Aïbo. Le dépouillement. Clon mado grand basato et ton d'Aïbo. Dépouille donc, dépouille-toi de la faiblesse de la chair. Cesse de chanter, la faiblesse de l'homme, mais entre dans la puissance. Entre dans la puissance de Jésus. Entre dans la puissance de la vie et de la résurrection. Entre dans la puissance de l'Esprit Saint. Ouvre ton cœur pour le Seigneur. Et la puissance qu'il a déposée dans les apôtres, il la déposera aussi dans toi. Il va la déverser sur toi. Dis la puissance de l'Esprit Saint. Anéantit donc toute faiblesse. Et la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans l'incrédulité, tu ne peux rien. Dans l'incrédulité, aucun homme ne pourra quelque chose. Reçois la puissance de Dieu. Cette puissance descend dans le séjour des morts et ressort. Elle ressort et donne sans perdre quoi que ce soit. La puissance qui ressuscite un mort de 4 jours. Reçois la croix en cette puissance. Viens marcher dans cette puissance. Et cesse de marcher dans ta faiblesse. Dépouille toi de la faiblesse de ton corps. Tu peux. Daniel a pu. L'a reçu de Dieu. C'est ce même Dieu qui lui a donné ça. La parole de ce Dieu que tu entends ce matin, que tu es venu chercher de ta maison, tu es venu t'asseoir auprès d'elle, c'est elle qui agit ainsi. Si tu te laisses à elle, elle va agir en ton temps. Pour toi. Et cela sera rajouté à ce qui a été déjà fait. Le nouveau s'ajoutera à l'ancien. Et cela va toujours conserver la même nature. La même nature. Ceux d'hier reçus pour eux en leur temps. Et ceux qui ont cru en cette même puissance au nom de Jésus reçoivent la même chose. Le péché ne règne plus sur eux. Vivre au milieu des pécheurs et ne pas plus faire la volonté de Dieu, cela n'existera plus. Noah et non.
Noé a vécu au milieu d'eux, mais pourtant a accompli la volonté de Dieu. Daniel est resté parmi eux dans la difficulté. On le battait, on le chassait, mais Dieu lui donnait toujours une place. Il le levait toujours au-dessus d'eux. Et pourtant, ils ne se sont pas retournés jusqu'à ce qu'ils sont allés le jeter dans la fosse aux lions. Celui qui pourchasse n'a pas l'habitude de se retourner facilement. C'est seulement au moment où il trouve la main puissante de Dieu se manifester. C'est seulement ce moment qu'il pourra faire des moutons. Lorsque Dieu le cogne au mur, c'est précisément en ce moment qu'il sait que vraiment il y a quelque chose qui est dit. Mais c'est grâce à ta foi, c'est ta foi qui amènera Dieu à agir ainsi. C'est ta foi qui va faire grandir la puissance de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas la peur à ces péchés du milieu desquels tu te trouves, non. Non, cette peur ne pourra te sauver. Ce n'est pas avoir peur de la famille de laquelle tu es né. Reconnaissons la parole afin qu'elle nous reconnaisse. La parole qui s'appelle Dieu. Si tu veux, elle te connaîtra. Tu veux, elle te connaîtra. Et si tu ne veux pas, elle ne te connaîtra pas. Alors il y aura une barrière entre toi et elle. Ne permettez pas qu'il y ait une barrière entre nous et Dieu. Nous avons tout pleinement en lui. C'est à nous que Jésus a fait la circoncision. Il a circoncis nos cœurs afin que nous soyons les fils du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas du règne de ce monde. Jésus-Christ nous a déjà marqué de son sceau. Jésus t'a déjà marqué de son sceau. Mais pourquoi te regresses-tu? Traînes-tu les pas? Pourquoi es-tu en train de regarder les hommes au milieu desquels tu vis? Pourquoi agis-tu à travers leurs propos? Pourquoi les propos, les paroles de Dieu n'ont pas eu un effet dans ta vie? Daniel, la parole de Dieu agit en lui. Job, c'est la parole de Dieu qui agit en lui. Il s'est laissé à l'Esprit de Dieu. Et Dieu parle avec lui. Mes frères et sœurs, le niveau nous sommes en train d'atteindre dans la foi, chacun de nous doit être un témoin de ce que Dieu parle avec l'homme. Et attester cela. Qu'on voit Dieu. Nous tous, de ce temps, nous devons être cela. Aucun d'entre nous ne doit dire, moi je ne l'ai jamais vu. Il n'est jamais venu chez moi. Pourquoi ne viendra-t-il pas chez toi? Mais quel est donc l'erreur, ce péché que tu es en train de commettre? Quel interdit continues-tu de transgresser pour l'Éternel? Aujourd'hui, écoute la voix du salut. Tu seras sauvé. Que Jésus soit avec nous. Amen. Yeah.
Thank you.
Dieu puissant. C'est toi celui qui existe vraiment. C'est toi qui jettes tes regards pour regarder un homme qui a besoin de ton secours. Et si tu vois quelqu'un qui en est digne, tu étends ta main sur lui, tu le relèves, tu te souviens de lui pour tout le bonheur. Nous te rendons grâce, car c'est toi qui as jeté tes regards sur nous et tu nous as considérés pour le salut. Ta grâce ouvre sa bouche sur nous. C'est pourquoi nous sommes autour de ta parole ainsi. Et nous venons rester auprès de ta parole ainsi. Et nous y resterons jusqu'à ton apparition dans les nuits. Nous te rendons grâce. Notre puissance qui vit dans les cieux, nous te rendons grâce. Tu as fait une force qui n'est jamais défaillante, qui va d'une gloire en une autre gloire. Roi éternel, nous te rendons grâce. Nous te remercions. Nous, tes petits enfants que tu as engendrés ici, nous sommes venus te remercier pour ton assistance que tu ne cesses de manifester pour l'heure que tu as sanctifiée pour nous, que nous avons passé dans la quiétude, dans la douceur, sans être troublé par quoi que ce soit. Nous rendons grâce, Seigneur. Meneur de combat, nous te rendons grâce. Guérisseur, nous te rendons grâce. Celui qui prend soin depuis les cieux, nous rendons grâce. Gloire soit rendue à ton nom dans les cieux. Gloire soit rendue à ton saint nom dans les cieux. Au nom de Jésus, reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges. À présent, Seigneur, nous sommes prosternés avec nos requêtes envers toi. Les petits enfants ont porté devant toi nos requêtes. Les pères de famille, les mères de famille aussi. Les amis également ont porté devant toi leurs requêtes. Les maris, leurs requêtes devant toi. Les femmes aussi, leurs requêtes devant toi. C'est toi qui entends la voix de plusieurs et qui reconnaît les requêtes de chaque voix, qui distingue la voix de chacun. Rendons grâce parce que tu as déjà distingué nos voix. Et tu sais ce que chacun de nous a besoin. Au nom de Jésus, au nom de toi, Jésus-Christ. Amen. 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 Ce qui est gâté, c'est toi qui répares. Et ce qui est tombé, c'est toi qui relèves. Aucun homme n'a aucun pouvoir pour relever ce qui est tombé. L'homme n'a aucun pouvoir pour réparer ce qui est gâté. Si toi, tu ne manifestes pas ta puissance pour restaurer, c'est pourquoi, au nom de Jésus, ta puissance pour la réparation puisse se manifester. Ta puissance qui relève soit manifesté. Au nom de Jésus, manifesté. Amen. Amen. Là où l'ennemi s'en moque, il a dit c'est bien fait. Ils n'ont pas encore eu pour leur compte. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
fito le ni mo agrinje nu. Amen. Ye ni mo awon gba nu. Pour le sujet de joie. Donasi nu. Le sujet de bénédiction. Si we ye we le bla nu no ye. Et Dieu miséricordieux. Adike mi nu akonto mi gbogbo agba blo. Soyons pas des enfants de. Adike mi fun ye agba son nu konto e blo. Soyons pas ceux qui partent en vain. O kuno gan wu nu poto. Seigneur Dieu tout puissant. Mais ta vivi le. Tous ceux qui pleurent. Dasi to nu kun menan le. Qui ont des larmes. Bo dasi ta yi menan le. Dans le cœur. Amon we zon bo dasi to nu kun ji. Tu connais la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pourquoi les âmes sont ta vie si mêlé. Tous les âmes. Et sur les âmes, Seigneur. Mettez-les à leurs pleurs. Accorde-les des sujets de joie. Sauve, Seigneur. Mais tous ceux-là qui sont déjà guéris par la mort, qui ont demandé que nous prions pour eux, parce qu'ils veulent encore entreprendre des choses pour toi, au nom de Jésus, écoute leur voix. Nan weto ku pla plaze do yiji ni le koson yiji. Amen. Gangan jije ni wa oklo na. Qu'il y ait la santé. Dona me we ni klon oklo na. Bendiction Seigneur. Agbanyan candidat me le gbaton ni klon oklo na. Amen. Yi ya se do dagban na me we ni klon oklo na. To yin Jesu ton me gogbe to gbego na ni ton to ile. Amen. Ko ope to ko ego na ye oklo na. Nan we ko yi ma pe le yi pe ego. Eh ye yin dagbe. Amen. Eh ye wa dagbe. Yenin kunu gigo yin ko to tantan ni je yi clan le ojido wiwe na jere de vole aya je to epo mi po nisan wa pri okro na amen la me ya to na me to epo mi po nisan okro na amen o pri pe gbe ton le ana mi bo mi na ba ile ni sensisen amen ni sensisen o gbe ton amen oku ni manu eme blo amen awu bla ni manu eme blo amen alo be plata manu eme blo amen se de mi ton do mo amen me ma ko bi onu kun mo jenu me ton be ma yeye si e ma yeye si bo ye to nu ma ye me si sin son rin si jona ye amen bo he ye wa yun eme amen to yin Jesu kan ton me amen. Alléluia. Alléluia. Ni pa oklo na.